Bonjour à tous, enfin bonjour, je vous dis bonjour, mais il fait nuit, c'est juste minuit. Nouvel épisode pour la suite de ce casino. Alors on va pas encore mettre l'éclairage aujourd'hui, hein, malheureusement. Je vais mettre juste 2-3 petites torches en vitesse pour au niveau un peu plus clair. Ou quoique j'ai pas de charbon. Alors on va vite voir s'il n'y a pas quelque chose dans le tunnel là. Y a pas un peu de charbon, s'il vous plaît? Un peu de charbon. Non? Ah oui, là, du charbon. Parfait. Ben voilà. Ça c'est fait. Y a plus qu'à ressortir. Que c'est beau, tout illuminé comme ça. Alors, on vient par là et on est reparti. Oui, donc charbon. Alors, tac. Ah oui, non mais c'est bien. J'avais déjà fait les torches en fait. Parfait. Comme ça, j'en ai en tout cas assez. Alors. On fait ça un peu à l'arrache, mais au moins qu'on y voit quelque chose. Alors c'est vrai que pour l'instant on voit pas encore le côté casino, hein. Ça viendra après. Il y aura les machines à sous et tout. Il y aura les monstres en moins aussi. Allez, barre-toi. Voilà. Bon, c'est n'importe comment, c'est pas grave, comme ça on voit un peu clair. Alors, ensuite, j'ai trouvé un pattern assez sympa pour les fenêtres. Alors, on va pas le faire avec ça. On a besoin des escaliers. On a 9. Est-ce que c'est en tout cas pas assez? On va vite passer à la scie. Oui, du coup, j'ai appris à maîtriser la scie circulaire, juste là. Et en fait, c'est assez simple. On entre. Les blocs qu'on veut utiliser. Ensuite, ce qu'on veut sortir. Et on est bon. Alors là, moi j'aimerais des escaliers en masse. Voilà, c'est bon. Et c'est beaucoup plus rapide que crafter, bien sûr, puisqu'on choisit directement la forme et on a beaucoup plus de choix. Ce qui est pas mal. Ok, alors. Est-ce qu'on peut. Non. Alors, tac, 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 tac. Voilà, donc je disais un pattern sympa, d'après ce que j'ai vu. Tac. Voilà, à terme j'aimerais faire un max de déco là-dessus. L'idée c'est que le bâtiment devienne impressionnant par lui-même, quoi. Ah oui, toi je savais que t'arriverais. Ces mobs qu'on n'entend pas, c'est une horreur. Tiens, en parlant de ça d'ailleurs, justement, j'ai un truc super génial. J'ai fait les sons pour les mobs et normalement ils devraient arriver avant la fin de l'année. Ce qui fait que justement on aura plus de problèmes puisqu'on entendra le sound monster qui arrivera comme ça, puis qui va pour nous sauter dessus. Tac. Escalier. Allez, escalier. Ah non, ça c'est déjà fait. Pardon. Merci à Roi Louis pour cette blague. Alors, hein. Boum. Ah. Ah ouais, mais ça marche pas là. On va faire comme ça. On va péter là au milieu. Et puis c'est pas pire. Tac. Ok. Voilà. Ensuite, on met ici. Et on est content. Super. Alors maintenant, je vais poser les vitres que vous voyez à quoi ça ressemble. Alors en fait, l'idée, c'est bon, on prend de la vitre standard qu'on a fait cuire au four à partir de sable. Et on en fait des glass panes.
Surprise, ça ne se relie pas. C'est gênant ça. Est-ce que si je crafte des escaliers, ça marche? Déjà, est-ce qu'ils sont stackables parmi? Non, ils sont pas stackables entre eux, donc c'est pas les mêmes. Même si visuellement ils ont la même tête. Alors, on va voir si ça se relie. Ah oui, il faut que je m'enlève de là pour de vrai. Ça se relie pas mieux par contre, hein. Ça change rien. Bon bah mince, j'avais trouvé un super pattern et c'est foutu. Bon, alors on va remplir ce côté-là comme ça avec une vitre plate. Ah ouais, bien nouveau ici. Bon après, je veux dire, le but premier d'un casino, c'est quand même d'être plus ou moins fermé pour que les gens soient concentrés sur les sous, hein. Alors, bon. On veut quand même quelques-unes, hein. Voilà. Ok, alors bon, on va garder une vitre là, et je pense que le reste on fera sauter. Quitte à mettre ensuite un observatoire au-dessus, quelque chose comme ça, pour admirer un peu la vue, parce que c'est quand même assez splendide ce qu'on voit là. Voilà, pour les guichets. Ah, ça serait bien si on pouvait le garder par lié. On va laisser comme ça, c'est pas mal déjà. Tac. Voilà. Ah oui, là, faudra un bloc plein du coup. Sinon, ça marche pas, ma bonne dame. Tac. Les deux se relient normalement. Sais pas pourquoi ils se relient pas. Voilà. Ok. Alors, ensuite, on va se faire. Qu'est-ce qu'on doit se faire encore? Bah, une porte d'entrée sympa, si possible. Un truc qui déchire grave. Non, là ça fait vitre et fermé. On va garder comme ça, je crois que c'est pas mal. Ah, je suis la bouche qui va manger le joueur. Pardon. Ok. Ensuite. Bon, bah du coup on va faire un peu d'archi par là, quoi. Non. Alors, comment je fais ça? Je vais essayer de trouver quelque chose de chouette à faire. Je crois qu'on va faire comme ceci. Je vous abandonne et je vous retrouve tout de suite. Et on se retrouve. Alors, j'ai avancé un petit bout, j'ai retrouvé l'inspiration divine. je me suis fait des micro-blocs qui sont juste là. GG qui me demande si ça dérange quand je parle. Non, vas-y, bien sûr. Y a pas de souci. Alors, oula, c'est quoi ce micro-bloc là? Ah, il va se mettre à droite. C'est comme la pointe. Ok. Donc faut que je vise là pour l'avoir là. Ok. Mais pas trop quand même. Voilà, ça permettra de donner du relief supplémentaire, c'est vachement chouette ça. Oh my. Alors, il demande à GG sur quoi c'est la vidéo. C'est la suite. La suite de celle d'hier qui est parue à 2h du matin. Voilà. Ah, tiens. Ils sont pas tout à fait collés ensemble ces micro-blocs.
Il y a un petit espace entre deux. Alors j'ai pas fait la bonne taille. Bon, ça va, de loin on le voit pas. Ok, on va casser ça. Et oui, je recasse les vitres que j'ai posées avant. Comme ça on va pouvoir. Ah, en fait, ça va rien casser la vitre. non, en effet, il y a des bonnes chances que t'étais pas là. Hein. Il y a GG qui me dit, je ne devais pas surfer sur Internet à sa parution. Alors, ben non, probablement pas. Parce qu'il parle de la dernière vidéo, celle d'hier, donc. Ouais, je vais voir pour ces micro-blocs. Si quelqu'un sait, vous pouvez me laisser un commentaire hein, pour me dire. N'hésitez pas, c'est toujours bienvenu les commentaires, même si je n'ai pas vu beaucoup encore. Là. Oui, j'ai réussi. Ah, mais c'est ma droite, ouais. Juste un réflexe à prendre, de ne pas viser au bon endroit. Pour mettre au bon endroit. Logique, n'est-ce pas? Ouais, mais là on voit que c'est pas. On voit que c'est un fait qu'il faut absolument remplir les vides alors. Tac. On va faire pareil. C'est pas grave, hein, on change 4 fois la même chose, mais. Ok. Ensuite. Ah oui, si je me déplace de côté, ils viennent de côté ceux-là. Alors on va pas se déplacer. On peut. Stop. Pourquoi ils veulent les mettre de côté? Ok, là, est-ce que je peux faire un escalier de coin? Je crois que ma scie n'est pas vraiment placée au meilleur endroit. Ah ouais d'accord, ils ont pas exactement la même tête, donc j'aurais dû prendre ceux-là, je pense. Alors ça je peux prendre. Parfait. Le sable. Ok, je viens d'avoir un joli bug puisque le sable s'est transformé en bloc. Bon, je vais pas me plaindre. Où qu'il est? Il est là, parfait. Ah non monsieur, on va pas être d'accord là. On va pas être potes si tu te mets comme ça. On va pas être potes non plus. Alors si le truc spécial se met vers moi à droite, il faut que je me mette là. Voilà. Parfait. Et de ce point de vue, je pense que ça doit être plus pratique sur Minecraft. Hein. y a pas photo. Parce que là c'est un tout petit peu galère quand même pour les poser. Hein. Tac. Ah oui, il faut que je me tourne comme ça. On va y arriver. Ok. Je vais aller voir si je peux me refaire ces micro-blocs de façon correcte. Ce sera quand même un joli plus. Comme le drapeau suisse, c'est un grand plus. Ok. Non. Moi j'aimerais aller comme ça. Voilà, donc je prends bien le plus grand. On est d'accord. Je verrai après hein, si je change les autres. Hop. On verra, ça dépend de.
Ah, il flotte aussi légèrement au-dessus, hein. Non, alors je ne sais pas à quoi c'est dû. Ou alors je me suis planté de bloc. Est-ce que ce serait celui-là? Le bon sens, s'il te plaît, Agnotti. Ah non. Donc celui-là, c'est pas juste. Et celui-là, non plus. Et si je mets celui-là, non plus. Bon bah voilà, les micro-blocs n'ont pas la bonne taille. Tant pis, hein, c'est pas super grave, on va dire. Alors, tac. Voilà, comme ça on commence à prendre un peu de la. Ça commence à prendre une tête sympathique. Des escaliers. Voilà. Voilà, la personne attentive verra qu'il y a un petit trou qui devrait peut-être pas être là par rapport à une vraie voûte. Juste là. Mais bon. Moi, ça me va bien. Ensuite, on va essayer de charger un peu l'extérieur parce que là, on est tout plat. Alors, on va faire quelque chose comme ça. C'est juste complètement improvisé ce que je fais là. Ah, le cactus. Qu'est-ce que je fais avec ce cactus? Tout cas, je peux. Ah, allez. Ce sera pour les. Je m'arrangerai pour le mettre pour les personnes qui ont payé des fausses pièces, par exemple. Ça peut être très drôle. Ah oui, parce que. Parce que alors, les gens qui payent pas en monnaie sonne, trébuchant, on les met dehors. Ok, ça donne bien ça. On va récupérer la torche et l'autre aussi. De toute façon, on va faire un grand truc lumineux après. Ça va être quelque chose de magique, un peu. Ouais, ça a l'air pas mal. En le mettant dans le bon sens, c'est mieux. Il y a GG qui me demande où est le casino. Quelque part. Bon, de toute façon, il est pas fini, hein. Donc. Ouais, je me sens pas convaincu à ce moment-là, autant la mettre comme ça, celle-là. Si j'ai à droite. Non. Alors. Ah oui, c'est bien ça. Alors, je suis en moins 33. Ok, ensuite ici. Pourquoi je me plante à chaque fois? Voilà. Ça recommence à prendre une tête. Ensuite. Ouais, ça c'est pas mal. Ensuite.
Alors là, il va me le mettre à droite. Comment je le mets à gauche? Comme ça, peut-être. Non. Ah bah j'ai une idée comment je vais faire. C'est pas très standard, mais ça devrait marcher. Voilà. J'espère juste que je suis au bon endroit. Oui. Ah mais du coup il vient coller là. Bon, ça ira, ça ira. On passe à ce qu'il met 10 ans non plus. Visuellement, on verra pas tellement la différence normalement. Ensuite, une bébé dalle dessus. Faire un petit avant-toit sympa. Voilà. On va se nourrir un petit coup avant de mourir de faim. Pouf. Ok, est-ce que... Ouais, on va prolonger comme ça, toi. Alors, j'ai qui me demande, c'est près de ma maison, pas loin. Si jamais, regarde ma vidéo bonus 2. J'ai pas vérifié combien de temps ça fait que j'enregistre. Alors, faudra que j'aille faire ça. Je vais faire comme ça là au milieu. Oui, ça c'est bien ça, je peux faire comme ça. Oui, alors ça marche dans un sens, pas dans l'autre. Ça va être un peu sportif. Comment je fais ça, moi? Si je peux mettre ma pièce comme ça, je dois pouvoir la mettre comme ça aussi. Bon, bah non. Étonnant ça. Alors on va les mettre. On va les mettre à. Non, mais bon. Ah, peut-être comme ça. Non. Bon, alors je me renseignerai pour savoir comment je les tourne autrement. Et puis d'ici là, on va trouver une autre astuce parce que... Non, c'est pas comme ça que je la voulais. Faudrait que je me fasse des échafaudages, moi, les prochaines fois que je fais du build. Alors là, on est bon. Et là, on est bon. Et ça, on va enlever parce que ça ferait une grosse casquette très épaisse, très lourde. Voilà, ça présente pas trop mal cette entrée. Ok, ensuite. Non, j'aurais voulu en bas, s'il te plaît. L'espèce de constante des blocs qui veulent pas.
dégage un peu devant. Ok, ça commence à donner bien cette entrée là. Et avec le soleil qui se lève. Ouh, quelle chance. Ok, alors, maintenant. Maintenant, qu'est-ce qui nous manque? Bon, on a déjà une super entrée. Je pense qu'on va peut-être enlever un bout de ce truc là. Ça m'a l'air surtout un peu dangereux. Voilà. Et on voudrait pas que les clients se blessent. Du moins, s'ils sont rentables. Ah, j'ai des boules de neige en masse. Si j'ai Gigi qui vient, ça vaut la peine. Alors toi, au revoir. Ouais, des boules de neige. Ok, alors je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. N'hésitez pas à laisser un petit pouce de votre couleur préférée. Et puis un petit commentaire, abonnez-vous toujours, hein. Plus y a de fous, plus on est de fous, moins y a de riz. Non, c'est pas ça, je sais plus l'expression exacte. Et je vais sécuriser ça avant que quelqu'un ne meure sous l'eau. Et voilà, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!